Oh. Voulez-vous lâcher ça là-bas? Voulez-vous lâcher ça? Oh, mais faites donc attention, voyons, tu vas me faire tomber. Eh bien, descends, qu'est-ce que tu affiches là-haut? Est-ce que c'est ton affaire? Mais c'est parce qu'il ne sait pas. Va bien qu'il l'apprenne. Non, non, cette tenue. C'est convenable, hein, c'est convenable, là, avec le domestique. Oh ben, puisque c'est son frère de lait. Hein? Qui? Moi. Oui, moi. Qu'est-ce que ça veut dire, moi? Allez-vous-en donc. Qu'est-ce qui vous prie de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas? Je vais vous dire, c'est son frère de lait. C'est son frère de lait, mais... Mais pas du même père. Comment? Pas du même père? Hein? Non, non, je vais vous expliquer. Quand je dis pas du même père, j'entends que... Oh, et puis vous m'embêtez avec vos questions. Est-ce que ça vous regarde? Mais je vous ferai remarquer que je ne vous demande rien. Oh oui, je sais ce que c'est. Vous ne me demandez rien, puis une fois là-bas, avec le marquis, vous allez clamonner. Mais non, quelle idée. Je t'assure, mon ami, tu devrais te soigner. Enfin, madame Donner, mais tu veux les habiller, toi? Ben quoi, oui, donne-moi le temps. Donne-moi le temps, voilà une heure que... Oh, ben quoi, maintenant que monsieur Auchepet m'a vu. Monsieur Auchepet, je suis en chemise, c'est entendu. Mais enfin, est-ce que je suis inconvenante? Est-ce que j'en montre plus qu'en robe de bal? Mais non, madame! Ah, vous trouvez, vous? C'est-à-dire même que là, en chemise, avec votre chapeau sur la tête, vous avez presque l'air d'être en visite. Là, tu entends? C'est vrai, ça? Qu'est-ce qu'on voit? Je vous le demande, qu'est-ce qu'on voit? Oh, rien. Là, évidemment, je vous vois. En ombre chinoise, parce que vous êtes devant la fenêtre. Ah, parce qu'il y a la fenêtre. Oh, tiens, brusque-toi. Mais sans ça... Sans ça, rien. Là, je ne suis pas fâchée. Ah! Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Je ne sais pas. J'ai senti comme un coup de poignard. Comme un coup de poignard? Qui est monté au cœur. Ah, c'est là le cœur? C'est ça que tu appelles ton cœur? Tiens, le voilà ton coup de poignard. C'est une guêpe qui t'a piqué. Qui m'a piqué? Oh mon Dieu, j'ai été piqué par une guêpe. Pauvre madame. Oh. Mais non. Oh, Julien, je t'en supplie. Suce-moi, veux-tu? Cérémonie. Oh, ça suffit, mais s'il vous plaît, va faire ça toi-même. Est-ce que je peux?